Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Aujourd'hui, ça c'est un magnétoscope que j'ai récupéré grâce à Le Bon Coin. C'est un don en fait, il était en panne. Et du coup, je l'ai récupéré gratuitement. Et donc, on va essayer de le réparer. Je le redonnerai sûrement sur un groupe où j'en ferai un don parce que j'en ai pas forcément besoin. Mais le gros échec de ma vie sur un magnétoscope, c'était sur un HS MX40 quand j'avais une quinzaine d'années. J'avais pas réussi à le réparer. Bon, il était dans un endroit fermé. Enfin bref, il était pas en si bon état que celui-là, qui est quand même en très bon état, qui a la télécommande. Après, voilà, c'est un magnétoscope 3 têtes mono, donc ça ne m'intéresse pas beaucoup. Comme c'est ici. Tête DJ3, c'est 3 têtes, hein, voilà. Moi, c'était un MX40 avec une tête DJ4. Et il ressemblait comme deux gouttes d'eau à celui-ci. On m'a dit qu'il faisait du bruit à l'insertion d'une cassette, on va vérifier ce qui se passe. Cela dit, ce que je peux constater, c'est que le VFD est extrêmement, extrêmement sombre déjà. Donc voilà, on va voir si on peut faire quelque chose pour le VFD, ça pourrait être sympa aussi. Et puis voilà, bon, je vais tester en mettant une cassette. Je pense que les courroies sont moins changées sur ce genre de machine, de toute façon c'est quasiment sûr. Donc voilà, je vais prendre une cassette puis on va essayer ça tout de suite. Bon, on va essayer d'insérer une cassette. Je confirme que c'est la courroie de chargement qui est HS. Voilà. Donc, elle va être sûrement transformée en caoutchouc horrible à nettoyer. Mais donc voilà, je vais pouvoir déjà ouvrir ça, on va changer ça, puis on va voir ce que ça donne après. Seulement deux vis à enlever sur ce magnétoscope. C'est dingue, une vis de chaque côté. Alors. J'ai débranché, c'est pas une alimentation découpage, c'est une alimentation linéaire là-dessus. En tout cas, il y a un transfo. Ah, quoique. En fait, si, c'est nul. Il y a un transfo linéaire, mais derrière, c'est. Non, redressé et tout. Non, non, c'est pas du découpage. Ok. Pourquoi il y a un. Ah, peut-être qu'il y a des rails, peut-être qu'il y a des vieux composants. C'est peut-être des. Est-ce que c'est juste des régulateurs standards? Je vois pas ce qui est gras. Non, c'est des diodes, ça. Ok. Je sais pas trop comment c'est fait là, j'ai pas trop vu, donc l'état des têtes. Très bon, excellent même je dirais. L'état de la méca. Excellent, le pinch roller. Enfin le galet presseur. Ah, c'est pas si mal hein. Il est un peu usé, mais pas tant que ça va. Le reste de la méca est en bon état, bien mieux que celui que j'avais eu à l'époque, et la courroie de chargement est là. Sur ces modèles de Mitsubishi, effectivement, la courroie est cassée. Elle est cassée. Je sais pas si on voit bien, mais c'est cassé. Donc, il y a un bout de courroie d'ailleurs qui est juste à droite là. Donc, il va falloir la remplacer. Va falloir que je démonte tout ça pour qu'on puisse la remplacer. Cependant, je crois que je suis le premier à mettre les mains dedans. Plutôt pas mal. Je crois pas que j'avais ça sur le mien, donc il devait pas être complet le truc que j'ai vu à l'époque. Non, celui-là est vraiment nickel. Hein. Ouais, il n'y a pas de roue, il n'y a rien, il était bien stocké. Parfait. Il y a un peu, c'est un peu chauffé au niveau de l'alimentation. Comment ça se fait que ce soit encore chaud? J'ai débranché et. Waouh, c'est chaud. Oula. Je vais laisser brancher quelques minutes, c'est déjà très chaud. Bizarre quand même. Je sais que le rendement doit être assez faible là-dessus, mais vu la taille du, quand même la taille imposante du radiateur, mais c'est quand même chaud. Peut-être qu'il y a des condensateurs qui sont mangés là-dedans, un peu morts, je dirais. Regardez ça. Bon, faut que je regarde pour démonter la méca. Il n'y a pas une date. Ah si. 95? J'aurais vu ça début des années 90, bien plus vieux. Non, 95, donc vous voyez, il n'est pas si ancien que ça. Bon, je vais retirer la façade avant, puis je reviens par la suite. Donc la méca sort extrêmement facilement du châssis sur cette machine, et en plus il n'y a rien à dessouder ou quoi que ce soit. C'était vraiment fait pour être démonté à l'époque, parce que les machines, les magnétos modernes, c'est un enfer, on ne peut rien sortir. D'ailleurs, 3, nombre de têtes 3, donc il y a écrit 3. Alors le tambour est vraiment en bon état. Il est sale en bas, mais... Ah oui d'accord, en fait il y a 1, 2, 3, il y a quelque chose ici qui n'est pas soudé pour la quatrième tête.
Mais ici, il y a quand même quelque chose, c'est marrant. Je suis sûr que la quatrième tête est pas présente, hein, d'ailleurs. Ah, quoique. Peut-être que les quatre têtes sont là. Je ne sais pas. Mais bon, il est bien écrit 3, je pense qu'il n'y a vraiment que 3 têtes. Hein, faut pas rêver. Les roulements du tambour sont bons. Ou ils vont peut-être faire un peu de bruit, mais. Je vais peut-être les graisser un peu. Lui, c'est bon. Alors sur les Mitsubishi, ça il faut graisser. Souvent c'est. Ce sur celui-là, le galet presseur en fait descend et vient pousser. Alors ça, si vous ne graissez pas la pièce en blanche en plastique, elle risque de casser, ça arrive souvent. Donc la courroie qui nous intéresse, elle est là. Donc ah non, ouais, ça s'est dégradé. Et du coup, ça va être chiant à nettoyer. Voilà. Cela dit, le reste de la méca semble être en bon état. Apparemment, les guides de bande, ils m'ont pas l'air bien réglés sur celui-là. J'aurai peut-être l'occasion de les régler. Ne bouge pas pourtant. Bizarre. Étonnant, je dirais. Voilà, mais en tout cas, tout s'enlève d'un seul bloc. C'est plutôt bien. Il n'y a vraiment pas de corrosion sur celui-là. Hein. C'est vraiment très très propre. On va aller voir derrière ce qui se passe. Ah, d'accord, donc. Deuxième courroie HS. Et. Alors, celle-là, ça va être bien chiant à changer. Ça, c'est un peu plus embêtant. C'est con parce que quand j'ai jeté le mien, les courroies étaient bonnes. Bon, c'était il y a 15 ans de ça, donc cela dit, on fait 10 ans peut-être. Ouais, ça va être embêtant à trouver. On va regarder ce que je peux trouver. Bon, bah écoutez, je commence à nettoyer, je reviens vers vous parce que là, ça va être de la crasse vu que ça va très mal s'enlever. Ah, mais regardez. Ah, puis dégueulasse, ça colle en plus quand c'est mort comme ça le caoutchouc. Là, ça va pour l'instant, elle s'enlève plutôt bien. J'ai pas les mains trop dégueulasses encore. Enfin bon. Celle-là elle est pire. Celle-là elle est bien pire. Bon. Je vais voir ce que je peux trouver dans mes courroies de remplacement et j'ai déjà nettoyé tout ça. Bon, ici ça va, ça a vraiment pas trop accroché, j'ai réussi à tout enlever assez facilement. Alors, par contre, celle-là j'ai dû enlever le moteur de chargement et puis elle je vais la nettoyer hein, parce que là c'est vraiment pas beau. Mais sinon ça va. Bon, j'ai nettoyé, je vais pouvoir remonter. J'ai des courroies de 360 ici, de lecteur de 360, puis là j'ai une petite boîte d'élastique. Qui feront l'affaire à défaut d'avoir les courroies, parce que les courroies, bah, on peut pas aller vraiment les avoir. Puis j'ai pas d'autres courroies à part celle-ci en ce moment. C'est rare que celle-là aussi lâche, enfin, ça arrive, mais c'est moins souvent. Voilà. Bon, c'est mieux les mécanismes à engrenage, mais c'est pas le cas ici. Voilà, donc. On va faire ça, puis on va continuer comme ça. Moi, je pense que c'est pas trop mal pour un élastique, hein. C'est beaucoup plus flexible qu'une courroie malheureusement, mais j'aurais pas beaucoup. Le problème c'est quand que ça va se mettre en mouvement. Oh, ça a l'air d'aller encore. On verra. On va essayer comme ça. Le courroie de chargement, je pense qu'un truc de 360 va suffire. Et puis voilà. La crasse ici, j'ai l'impression. On va nettoyer ça aussi. Et ah oui, donc ce que j'ai pas dit, c'est que ça en met partout hein, quand les courroies sont mortes. Du coup, vous en avez partout du caoutchouc fondu. Et le caoutchouc fondu, c'est bien un truc qui ne part nulle part. Le caoutchouc fondu, c'est vraiment l'enfer pour ça, quoi. Donc voilà, c'est très embêtant. Parce que ça tâche, c'est une catastrophe, donc faites attention, parce que vous allez vous en mettre partout, c'est vraiment une cata, quoi. Ça va, c'est plus de la graisse, je pense, ça peut-être que c'en est pas. Et c'est très chiant à enlever sur vos mains, donc faites attention quand même, voilà. J'ai oublié de nettoyer l'axe du moteur aussi. Ça a l'air pas trop mal, ça tire un peu plus que ce que je voudrais, mais bon, l'engrenage tourne, donc du coup, moi, ça me va. Voilà, donc je vais pouvoir remettre ça en place, je vais essayer en tout cas.
Bon, j'ai rebranché le magnétoscope. On va l'allumer. On va essayer d'insérer une cassette, voir ce que ça donne. C'est quoi le bouton play là-dessus? Play. Il y a un petit bruit méca. Ça a l'air de faire un play. Donc on va allumer le Sony. On va aller regarder ce qui se passe. Décodeur. Bon, alors. J'ai eu quelques trucs à s'afficher, mais pas souvent. Là, j'ai quelque chose qui s'affiche, mais c'est pas stable. Alors, là, ça marche. Pas de son. Là, j'ai pas très stable. Après, c'est une cassette qui est enregistrée en PAL, je crois. Et ce magnétoscope ne lit pas le PAL. C'est une autre cassette qui ne serait pas enregistrée en PAL. Bon, il n'a pas l'air d'abîmer la bande, donc c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc on va pouvoir mettre une cassette plus intéressante à l'intérieur. Il y a du son. L'image a le même souci. Alors, déjà, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre des piles dans la télécommande pour désactiver l'OSD bleu, là. Ensuite, je vais peut-être essayer de régler les guides de bande. Cela dit, je pense pouvoir le faire comme ça. Je vais aller voir. Il y a peut-être un problème de réglage des guides de bande, cela dit. Pourtant, ils sont pas très loin les uns des autres, mais à voir. Peut-être. Voilà, j'ai tourner un tout petit peu le guide de bande d'entrée. L'image est parfaite, le son fonctionne. Donc, non, franchement, l'image elle est parfaite là. J'ai pas nettoyé les têtes, j'ai rien nettoyé. L'image elle est clairement parfaite. Bon, bah voilà, c'est réparé. Ça m'a pris 40 minutes quoi. Regardez la tête de la bande de la vidéo. Parfait, moi ça me va. Donc bon bah écoutez, je vais nettoyer. Il me reste l'état de vidéo nettoyé. Le moteur cabestan. Peut-être mettre un peu d'huile. De graisse surtout parce que elle a pas l'air sèche, mais il faut quand même en remettre sur ces machines. Nettoyer les freins, donc j'ai dit le galet presseur et graisser en fait la tige sur laquelle il évolue. Puis nettoyer bah, tout ce qui est le guide de passage, enfin le guide de, enfin le passage de bande, hein, donc. Toutes les têtes audio contrôle, la tête d'effacement, donc tout était à nettoyer comme d'hab. Mais à part ça, et là il fonctionne le magnétoscope. Hein. Le VFD faut que je regarde, et puis il chauffe beaucoup. Ouais, ça chauffe pas mal quand même. Ça chauffe dur. Et le VFD est très très sombre. Donc voilà quoi. Après il fonctionne, hein. Je peux pas vraiment faire mieux. Hein. Vu l'âge du magnétoscope. Ça va être compliqué pour moi de faire mieux que ça. Là, ça me paraît déjà très bien, étant donné que le machin doit sortir de 10 ou 15 ans de retraite. Mais voilà, il était bien stocké, donc à part les courroies qui se sont dégradées, il est en bon état. Donc, je pense que je vais peut-être même numériser que celui-là, parce que bon. Fonctionne. Voilà. Les têtes étaient un peu sales, mais ça va. Ah oui, vous avez vu, j'ai upgrade mes outils, enfin j'ai amélioré mes outils. J'ai maintenant l'outil officiel pour le réglage des guides de bande. Un kit
d'outils de magnétoscope. Et alors c'est plutôt pas mal. Voilà les tournevis qui étaient utilisés dans les centres de service agréés. Bon, il va rester le VFD et tout. Là j'ai nettoyé, je vais regraisser vite fait avec de la graisse lithium. Et puis ensuite, bah voilà. Celui-là, il sera réparé, refait. Donc prêt à repartir dans une nouvelle vie. Voilà. Bon, là ça marche. Cela dit, il y a encore un souci. L'OSD il saute à l'écran. Je sais pas si vous allez le voir si je fais un fois l'écran. Regardez l'OSD. Et du coup, on entend un petit claquement qui provient du moteur. Alors je sais pas si c'est la courroie le moteur, il faut que je démonte le cabestan demain. En tout cas la télécommande fonctionne. Sinon il n'y a pas de souci particulier. La pose est plus que correcte d'ailleurs sur cette machine. Donc voilà. Je vais regarder ça un peu plus tard parce que là je vais me coucher. Mais voilà, ça fonctionne. Donc c'était pas grand-chose. Donc j'ai nettoyé la tige en fait du moteur cabestan, toute propre, parce que du coup il y avait plein de résidus dessus. Mais je constate, je pense savoir, j'ai des parasites sur l'image et écoutez-moi ça. Je sais pas si vous l'entendez bien. Les roulements des têtes sont fatigués. Et ça, c'est un peu embêtant. D'une, parce que je vais peut-être pas les changer. Mais surtout de deux. Il va falloir que je démonte tout le tambour pour ces roulements ça déchire. Enfin bon, maintenant que j'en suis là, cela dit. Cela étant. Je pense que je vais démonter le reste. Hein. Voilà, mais oui, il va falloir que je fasse quelque chose pour le roulement. Je pense que. C'est pour ça que j'ai des bruits. Ouais. Eh bien, je crois que je ne regrette pas d'avoir acheté ce kit VTR Alignment Tools. Pour. Bon, du coup, c'est introuvable. Hein. J'ai trouvé ça d'occasion sur eBay, ça n'existe plus. En plus des magnifiques tournevis pour les réglages du système board, j'ai un extracteur de tête. Et du coup, effectivement, ça va me servir pour une fois. On va voir, ça marche bien, en théorie ça marche bien, et puis bah quand t'as les bons outils c'est toujours mieux quoi. Bon après cela dit, ça peut se fabriquer soi-même, mais bon, il était dans le kit donc voilà. Bon, avant j'ai toujours fait sans, mais là maintenant que je l'ai, je vais peut-être essayer avec. Donc on va voir, j'ai retiré les deux vis du tambour et normalement ça se retire tout seul. Bon, alors j'ai pas démonté la tête parce que c'était un peu. J'arrivais pas à la sortir en fait, je préférais pas l'endommager. Mais par contre j'ai quand même mis du dégrippant à l'intérieur. Et là, du coup, c'est beaucoup mieux. Et lui, pareil. Si vous voyez comment maintenant il est libre. Voilà, donc j'ai nettoyé absolument toute la méca aussi. Bah, écoutez, là, je vais tout remonter parce que là, il est nickel. Et puis, on va pouvoir tester ça. Mais là, je pense qu'il n'y a vraiment pas de souci, quoi. Voilà. Donc je sais pas si vous aviez remarqué, mais enfin je crois que je l'ai mentionné au début de la vidéo, le VFD il est très peu lumineux. Donc j'ai démonté pour voir. Mais en fait, est-ce que la cathode, voilà, elle est là. Elle est bien noire. Donc il est bien fatigué. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Et donc souvent c'est aussi au niveau des condensateurs. Donc j'ai dessoudé aussi, j'ai commencé à dessouder pour en tester. Il y a celui-là qui est tout près du radiateur là. Il y a un radiateur qui chauffe énormément. Donc le condensateur qui est ici, qui fait 10 micros. ohms de SR. 5% de loss. Donc lui il est flingué. Donc à remplacer, et je pense que le display, enfin l'afficheur reviendra un peu mieux après. Bon, j'ai fait le tour des condensateurs et j'ai remplacé trois condensateurs sur le magnétoscope. On verra ce que ça donne sur le VFD, mais voilà, déjà ces trois-là étaient hors spec, donc remplacés. Bon, j'ai remonté la machine et il fonctionne parfaitement. Alors le VFD, il est toujours fatigué, mais bon, je peux pas faire grand-chose. On pourrait en théorie les overvolter et tout, mais bon, vu que c'est une machine que je vais redonner, je vais pas non plus la refaire à 100%, même s'il est en bon état et que voilà. La télécommande fonctionne, hein, cela dit. Voilà, d'ailleurs, on va mettre pause là. Voilà, l'image en pause, elle est excellente.
pour de la VHS, voilà. Alors c'est un 3 têtes mono celui-ci, hein, donc c'est pas le genre de magnéto qui m'intéresse à garder. Cependant, la qualité d'image est vraiment intéressante, il faudrait que je compare avec un des derniers magnétos fabriqués, qui est quasiment neuf d'ailleurs, un Philips. Je ne sais pas s'il aurait une meilleure qualité vidéo, on pourrait faire la comparaison juste pour voir, mais... Mais voilà, bon là il fonctionne parfaitement, c'est juste qu'il n'a pas le son en stéréo et que le VFD est usé, mais par ça la machine fonctionne très bien. Voilà, l'éjection se fait parfaitement. Si je regarde l'état des bandes, hop. Alors le bas c'est pas lui, hein. C'est une autre machine je pense, parce que je vais vérifier les bandes, elles sont bien, il les abîme pas donc. Alors il a un OSD qui est un peu chiant. Bon. En fait j'avais pas fait attention mais c'est écrit dessus, PAL SECAM. Donc en fait il lit également les cassettes PAL. Mais non, c'est très bien. La pose parfaite. Play. Alors, il y a un petit bruit qui est sûrement dû à la courroie. Mais à part ça, il n'y a pas de souci, hein. Dommage qu'il va pas à haute vitesse sur cette cassette, je pense qu'elle est un peu courte, c'est une 30 minutes. Cela dit, le changement des commandes, ça a quand même aidé un peu le VFD. Orange est assez bien visible. Enfin, il est quand même plus lumineux sur le téléphone que dans la vraie vie, hein. Le VFD il est fatigué. Mais le reste, il n'y a pas de souci particulier quoi. Voilà. Et eh ben écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Cela dit, il a absolument rien à envier au Philips qui est neuf. Hein. En qualité d'image, franchement, je dirais même qu'il y a peut-être moins de bruit sur le Mitsubishi. Ça, c'est une mécanique Funai, mais bon, celui-ci est neuf. Et puis celui-ci, c'est un 6 têtes. Donc il y a les deux têtes audio en plus, quoi, pour l'audio stéréo. Effectivement, l'audio est bien mieux. Après, il y a peut-être des réglages. Pas des masses de réglages. Hein. Ouais, y a pas de réglage sur cette machine. Hein. Non. Bon, après, l'image par image, le mode image par image est peut-être mieux que sur le Mitsubishi. Je sais plus si je l'ai montré, mais. Et niveau bruit, en fait. Bon, rien ne vaut ce genre de machine. Hein. Honnêtement, niveau qualité d'image, on est à des années-lumière. Mais là, on est bien. Hein. Là, on est bien, ça marche. Donc, bon, c'était pour comparer avec le Philips, mais du coup, lui, il est prêt de donner, il fonctionne. Donc voilà. Hop. Eh bien, écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.